الحمد لله رب العالمين الحمد لله مالك الحق المبين الذي شرف هذه أمة مرحومة بعمل صالح ليلا ونهارا نحمده ونستعين ونستغفر ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد به فهو لنور من ربي ومن يضلل فقد ضل ضلالا بعيدا ونصلي ونسلم على حبيبك المصطفى اللهم صل وسلم وبارك عليه كما تحب وترضى له صلاة تفتح لنا باب الرضا والتيسير وفضل الغنى والعفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة آمين يا رب العالمين عباد الله عليكم بالتقوى كل مولى في كتاب مكنون اتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم الى اخر ايه Louange à Allah, Seigneur des univers, dont la miséricorde et la bienséance couvrent toutes ses créatures. C'est lui le dispensateur suprême des bienfaits et c'est vers lui que montent toutes nos bonnes actions. Que sa paix et sa miséricorde soient sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui suivront ce chemin jusqu'au jour de la rétribution. Chers frères, chers sœurs, le mois Ramadan qui s'est achevé et dont les jours sont parmi les meilleurs des jours et les heures les meilleures parmi les heures, fut une véritable école de la vie pour nous tous. Tout comme les autres prescriptions divines, le Ramadan a pour finalité de transformer positivement le musulman en ce sens qu'il nous éduque à devenir meilleur, pour que vous atteigniez la piété, la lakum tatakun, proclame le Coran. On y retrouve donc dans ce mois qui est passé un condensé de toute la profondeur du message de l'islam, qui est une spiritualité, un message et un code de vie. Garder le lien intime avec son Seigneur, surveiller et contrôler ses sens, vivre dans la présence divine permanente, s'éduquer au don et à la générosité, vivifier l'aube et la nuit par le souvenir d'Allah, développer un rapport affectif avec le livre saint, autant de gestes et d'attitudes qui nourrissent le cœur du croyant et symbolisent une foi en perpétuelle construction pour s'améliorer et renforcer son rapport avec Allah et avec les créatures d'Allah. Cette éducation, vous conviendrez avec moi, à tendre vers le bien épouse les fondements de la relation avec Allah, c'est-à-dire se battre de toutes ses forces pour nourrir le rapport qu'on a avec Dieu et le rapport horizontal avec les créatures de Dieu. S'éduquer pour pouvoir cheminer avec les hommes sur la terre de Dieu avec ses signes et ses enseignements. Chers frères et sœurs, assurément le mois de Ramadan nous a incités à vivre un islam de performance et de finalité. Le Tukri Janna Samina Zulumat et l'Anour qui fait sortir des ténèbres vers la lumière et qui fait de chaque musulman et musulmane un dépositaire de miséricorde, de grâce pour toutes les créatures. Et le Coran nous dit, nous ne t'avons envoyé que par miséricorde pour l'humanité. Pour avoir bénéficié de ces enseignements, le Coran recommande à juste titre aux croyants d'être reconnaissants pour que vous proclamiez la grandeur d'Allah pour vous avoir guidé. Ainsi, les lectures du Coran, les actes de générosité, les prières surrogatoires, la bonne gestion des sens nous enseigne que le véritable jeûne est celui du corps vers le cœur pour se purifier, se réformer de l'intérieur afin d'être ramené à la première des lumières, la proximité divine sans laquelle on n'a point de repères. C'est pourquoi les acquis engrangés au cours de ce mois de Ramadan ne doivent pas disparaître avec lui. Bien au contraire, on doit les consolider, les fructifier, en vue d'être parmi min al-mukarrabin, les rapprochés d'Allah, comme le dit Ibn Abbas. Un hadith nous enseigne, sallallahu alayhi wa sallam, que l'action de Dieu, que Dieu aime le plus, est celle qui perdure, même si elle est en petite quantité. Chers frères et sœurs, la finalité du mois de Ramadan nous a posé des préoccupations de tous les temps. Comment cheminer sur la terre de Dieu avec ses signes au profit de l'humanité? Comment développer une spiritualité citoyenne afin d'être un homme, une femme utile à tout? Le cœur et les âmes ayant constamment faim et soif de Dieu, seule la présence divine peut rassurer et combler. Au cœur de cette quête, le Coran révélé dans ce mois-là nous donne un message sublime de transformation de l'individu et de la société et nous invite à construire une personnalité impactante pour notre environnement, d'où une présence citoyenne portée par la foi et la spiritualité et qui exige de nous tous un engagement qualitatif au service des communautés humaines dans lesquelles nous vivons. Un hadith nous enseigne, toute la création humaine constitue la famille de Dieu et celui qu'Allah aime le plus est celui qui est utile à cette famille. Au regard du défi d'une présence citoyenne active et responsable, l'organisation des musulmans de notre pays doit toujours être une préoccupation pour nous tous.
afin que nous soyons à la hauteur des espérances de notre pays. C'est pourquoi le renouvellement des instances de la Fédération des associations islamiques du Burkina, du CRFI et de la communauté musulmane doit être porteur d'espoir pour tous les musulmans. Cette fédération doit constituer le symbole vivant de l'unité des musulmans tant désirée et gage d'une meilleure organisation de notre Oumma. Sous la bannière de la fédération, il apparaît nécessaire de prêcher un islam des finalités et de vivre ensemble en conformité avec les enseignements fondamentaux des textes islamiques qui honorent l'être humain et codifient les rapports avec tout l'entourage. C'est également le lieu d'interpeller les populations musulmanes à une participation citoyenne de qualité en étant présent partout où cela s'avère nécessaire, où l'on promet le bien et l'intérêt général des êtres humains. Tout ce qui concerne la vie du pays doit intéresser le musulman. Notre foi induit une responsabilité vis-à-vis de Dieu, mais vis-à-vis des hommes également, car notre identité musulmane, Kuntum Khayra Ummati, nous exhorte à un engagement citoyen au nom de Dieu, au service de ses créatures. Aussi, nous devons mieux nous organiser pour mieux, davantage nous impliquer dans tous les combats citoyens qui honorent et protègent l'espèce humaine. Au-delà des discours, nous sommes attendus sur des chantiers, de nombreux chantiers des défis, entre autres la prise en charge des personnes vulnérables et des malades, une offre sanitaire et éducative de qualité pour aider les pouvoirs publics, l'éducation de la jeunesse pour plus d'éthique, de morale, la dénonciation des anti-valeurs et la mauvaise gouvernance d'où qu'elles viennent, la lutte pour la justice sociale afin de contribuer au mieux-être des Burkinabés. C'est cette scrutinité citoyenne qui fonde l'engagement de l'AME de Serfi dans la formation spirituelle des musulmans et dans la maturation des projets à caractère socio-éducatif tels que les écoles, les centres de santé, les centres culturels, etc. Ils sont nombreux, ceux qui hier, dans la discrétion d'hier à aujourd'hui, par leur apport multiforme, ont fait de ces structures ce qu'elles sont aujourd'hui. À tous et à toutes, Allah l'exalté saura trouver la juste récompense ici-bas et dans l'au-delà. Le Coran nous rassure en ces termes, « In tansurullah et ansurukum wa yusabbitakum » Vous les croyants, si vous soutenez les œuvres de Dieu, Allah vous soutiendra ici-bas et raffermira vos pas dans l'au-delà. Ensemble, nous espérons poursuivre cette noble ambition qui se renouvelle de génération en génération, offrir à notre nation des hommes et des femmes de foi qui, parce qu'ils ont intégré le divin dans leur quotidien, se mettent au service des autres grâce à une spiritualité responsable. Le meilleur sans doute est à venir, Inch'Allah, grâce à Allah et à votre présence et à votre soutien constant et permanent. À cet effet, nos structures espèrent toujours bénéficier de votre soutien pour ces ambitieux projets dans différents domaines. Chers frères et sœurs, c'est ce souci d'une meilleure présence citoyenne qui interpelle chacun d'entre nous sur la situation de notre pays. Dans le contexte sécuritaire qui affecte notre pays et la sous-région de manière générale, et la recrudescence du grand banditisme et des actes terroristes qui handicapent notre développement, il faut rendre un hommage mérité à tous ces hommes et toutes ces femmes qui, au prix de leur vie, défendent la patrie et se battent quotidiennement pour un Burkina Faso meilleur. Autant les prières accompagnent les forces de défense et de sécurité et leurs alliés, autant il faut davantage renforcer les mécanismes de prise en charge des familles endeuillées et éprouvées. Nos cœurs sont maîtris, mais notre confiance en Allah reste intacte. Cette situation présente pour le croyant tout un symbole, la fragilité et la vulnérabilité de la créature humaine face à l'épreuve. Devant les épreuves dures et difficiles, la tradition musulmane nous recommande le repentir sincère, la multiplication des œuvres de bienfaisance en faveur surtout des nécessiteux, la justice sociale et les doigts, les invocations. La situation nous interpelle sur les impératifs de sécurisation totale du territoire et le retour des nombreuses personnes déplacées internes, estimées à 1,8 million de personnes selon le CONASUR, dans leur lieu de résidence. Nos gouvernants doivent développer des initiatives de réinsertion socio-professionnelle pour les dites personnes. De même, il faut appeler tous les citoyens à participer à toutes les initiatives heureuses visant à nous permettre de sortir de ces vulnérabilités et encourager le vivre ensemble. Dans ce contexte, la construction de la paix et de la cohésion sociale, le refus de la stigmatisation et de la discrimination sont plus que jamais indispensables pour notre pays. Gouvernants et gouvernés, tous doivent s'engager à créer un environnement apaisé et cultiver un esprit de paix, gage de stabilité et de développement durable pour tous. Dans ce moment difficile, chers frères et sœurs, que vit notre pays, il urge d'appeler à l'union sacrée. Il faut se serrer les coudes pour développer notre pays, préserver l'héritage de nos devanciers et préparer de meilleurs horizons pour nos progénitures.
Quand une nation est en danger, on tait les clivages, on couvre ses faiblesses devant l'ennemi et on se montre uni pour être plus résilient et plus fort. Le Burkina Faso doit se nourrir d'ambition à la hauteur des nobles et légitimes attentes des populations qui ne demandent qu'une seule chose, à vivre en paix, dans la stabilité et le progrès social et économique. Notre pays a besoin urgemment de s'unir face aux adversités de toutes sortes et relever les nombreux défis dans le sens d'un développement harmonieux et d'un partage équitable des richesses. Nous appelons de ce fait à un pacte républicain, en conviant toutes les forces vives de la nation autour de l'arbre à palabres, dans la pure tradition de nos devanciers et démarche dans laquelle tous les acteurs devront privilégier l'intérêt général de la nation. Le Burkina Faso a besoin d'hommes et de femmes loyaux et compétents pour promouvoir le vivre ensemble et un développement harmonieux et partagé. C'est en cela qu'il faut saluer toutes les initiatives de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption, à condition qu'elles n'ouvrent pas la porte à des règlements de comptes. La règle doit être la même pour tous si on doit sanctionner des écarts dans la gestion des biens publics, elle ne doit pas être sélective. Il appartient aux gouvernants d'être attentifs aux défis de la souveraineté alimentaire, la réduction de la pauvreté, le chômage des jeunes, les conditions d'études de plus en plus dégradantes dans les écoles et instituts universitaires, l'épineuse question foncière, la répartition équitable des fruits de la richesse nationale, le traitement équitable des confessions religieuses, les récurrents déficits énergétiques, l'équipement optimal des formations sanitaires et le renforcement des compétences humaines, bien sûr, l'amélioration du quotidien des populations des campagnes qui semblent souvent abandonnées, la lutte contre la corruption, l'encadrement des prix des produits de première nécessité qui flambent, la préservation de la paix et la cohésion sociale, la protection des libertés publiques et le respect des différences, entre autres. En un mot, promouvoir une gouvernance politique, institutionnelle, administrative et économique de qualité en vue de conduire notre pays vers de meilleures cimes. Tout en saluant l'engagement de toutes ces femmes et tous ces hommes de tous horizons qui se battent quotidiennement pour que le Burkina Faso ait un meilleur destin, nous devons nous convaincre que c'est moins dans les textes que dans le changement de mentalité et de comportement que réside le progrès. Le Coran nous dit « Inna Allah ala yugayru ma bi kaumin ata yugayru ma bi anfusihim » Dieu ne change pas l'état d'un peuple, d'un pays, d'une nation si ce peuple-là n'entreprend pas une démarche interne de réforme en profondeur. La question de la cohésion sociale, de la réconciliation nationale reste un impératif au regard des périodes sombres et tragiques de l'histoire de notre pays, mais aussi des frustrations, des incompréhensions, des actes de haine, de rejet des autres, des discriminations et de délitement des relations intercommunautaires. Quelle que soit la formule qui sera choisie, tout en veillant à ne donner aucune prime à l'impunité et à l'injustice, qu'elle puisse courageusement refléter notre aspiration commune à assumer dans la sincérité et la transparence notre histoire, c'est notre histoire. Penser nos plaies, réparer les torts et surtout tracer des sillons pour que les générations à venir ne vivent pas les mêmes drames et cauchemars que nous avons vécu. Chers frères et sœurs en islam, dans cette quête du bien-être, comment ne pas être solidaire de tous ces peuples autour de nous, à la recherche de la paix, d'une stabilité durable, et dans le contexte sécuritaire qui affecte la sous-région, handicape sérieusement les efforts de développement. Nos prières et invocations accompagnent toutes ces populations qui vivent dans l'insécurité, la peur, les crises sociales, l'injustice. Ces mêmes élans de solidarité et de compassion sont pour le peuple palestinien qui vit toujours le martyre et l'injustice au quotidien dans une indifférence sélective mondiale. Que les initiatives de paix, de dialogue puissent reprendre et apporter à cette partie du monde berceau des plus importants itinéraires spirituels et que la paix et la justice règnent dans le monde entier. Akouli kawli haza wa astaghfirullah ali wa lakum wa lisal musnikulizam wa astaghfiru inna abu jabad karim baro ahmen gafuru rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahi alhamd. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahi alhamd. Alhamdulillah, allazi la ilaha illa huwa al-mutawahhid fi al-jalali, kamali, jamali, takzima wa takbira. الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نظيرا والصلاة والسلام على حبيبك المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عباد الله عليكم بتقوى الله. Chers frères et sœurs en islam, en ce jour de souvenir de gratitude, nous devons avoir une pensée pieuse pour tous ceux qui sont éprouvés autour de nous.
et qui nous devons leur témoigner notre compassion, notre solidarité, qu'ils soient malades, endettés, au chômage, dans le stress et dans le désarroi. Retenons que Dieu n'oublie personne et sa miséricorde est plus grande que toute chose. Katabala nafsi rahma, il sait prescrire la miséricorde et il est proche de celui qui appelle quand il appelle. Je ne me soucie pas de savoir si Allah exauce mes invocations ou non. Mon souci principal est Allah va-t-il toujours m'inspirer la volonté de l'invoquer? Car du moment où il inspire l'invocation, je sais pertinemment qu'il va m'exaucer, disait Omar Ben Khattab. Habillons-nous donc des vêtements de la piété, ce sont les meilleures parures, dit le Coran. Cultivons la bienfaisance permanente. Sois bon comme Dieu l'a été à ton égard. Chaque jour qui passe est une partie de notre vie qui s'en va. Multiplions alors les bonnes œuvres et engageons-nous tous à gravir des marches, des escaliers, par la pratique des exercices spirituels qui nous conduit à une plus grande proximité avec Dieu. L'islam est une voie qui nous fixe un sens de finalité et nous guide vers un horizon de valeurs. C'est un message sublime dans sa profondeur et dans sa capacité à transformer l'individu et la société par la saine compréhension et la bonne pratique de ses préceptes. La vraie foi, la nôtre, elle doit être une lumière, une miséricorde, une grâce pour nous et pour tous ceux qui vivent avec nous. Chers frères et sœurs en islam, le temps nous prend souvent une partie de nous-mêmes et seul le cœur présent avec Dieu peut échapper à l'oubli. N'oublions justement pas en ce jour de fête de répandre la joie et la miséricorde autour de nous par le partage de ce que Allah nous a donné avec les personnes déplacées internes, ceux qui sont attristés, les voisins, les amis, la famille, tout en évitant bien entendu les excès, le gaspillage et l'illicite. Dieu nous invite à avoir un lien permanent avec lui. Ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Dieu, et Dieu a fait qu'ils se sont oubliés eux-mêmes. Et a fait vivre le cœur, vous les croyants, et répondez à l'appel de Dieu et de son messager quand il vous appelle à ce qui fait vivre. C'est la foi, c'est le tawhid, c'est la pratique de vie spirituelle. Le ramadan achevé se dresse devant nous le cinquième pilier qu'est le pèlerinage au lieu saint dans les jours à venir et dans les mois à venir. Pour justement contribuer à offrir un encadrement de qualité aux pèlerins burkinabés, le CEFI et l'AMB viennent de créer une agence Excellence Voyage dont les portes vous sont largement ouvertes pour la formation et l'encadrement ici au lieu saint. Plus les jours, les mois et les années à venir nous offrir une gradation dans l'échelle du rapprochement avec Allah. Plus les jours bénis du Seigneur de la création apporter à nos familles, nos pays et au monde entier la paix, la sakina et la sérénité. Qu'il nous procure la joie d'être parmi les bien-aimés d'Allah aujourd'hui et demain. Qu'Allah nous guide, nous protège et nous comble de son infinie miséricorde. Allah bénisse le Burkina Faso, il fasse régner la paix, la gouvernance vertueuse, la justice sociale, la solidarité, le vivre ensemble et une prospérité partagée. Bonne fête de Ramadan à toutes et à tous. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Salatan taftah lana abwaab al-ridai wa taysir wa fadlu al-ghina wa ni'ma al-hasanatu al-khayrat. تغلق بحنا وبشر وبلاء ودور تكون لنا وليا ونصيرا أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير صلاة تسلمنا بها يا سلام سلاما دائما في الدين ودنيا والآخرة بحق وبسر سلام قولا من رب رحيم صلاة تؤتينا فتحا قريبا مبينا ونصرا عزيزا وتمام العافية لا تدالنا في مكاننا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دوا إلا كدلت ولا دينا إلا كديت ولا مريضا إلا شفيت ولا جاهلا إلا علمت ولا عاصيا إلا يسرت ولا حشا من حوائجنا ولا إيكا إلا كرهته يا رب العالمين اللهم اغفر لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Récitons donc ensemble la Fatiha pour nous, nos défunts, notre patrie, nos enfants et tous nos pays et voisins. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alayhim ghayril maghdubi 'alayhim waladdallin. Amin. Véritablement, nous sommes à la fête du Ramadan. On a passé vraiment un moment de pénitence. Et le mot, c'est véritablement demander à Allah subhanahu wa ta'ala d'agréer notre jeûne, d'agréer toutes les adorations que nous avons pu faire. Également une invite, parce que Ramadan c'est une école, tout ce que nous avons eu comme bénéfice, comme habitude là, nous devons vraiment continuer cela. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le Dieu de Ramadan, mais c'est le Dieu également de tous les autres mois. Donc nous devons garder vraiment cet élan de partage, cet élan d'adoration, et pour que véritablement la batterie qui a été chargée là, on puisse maintenir ça jusqu'à Ramadan prochain. Assalamu alaikum. Le message c'est
Le message de félicitations d'abord pour avoir accompli ce pilier. Ensuite, c'est un message dans le sens de les exhorter à consolider les acquis du Ramadan. Ramadan s'en est allé, mais Dieu reste. Il est vivant et ne meurt jamais. Ramadan est une école, les enseignements, les acquis qu'on a pu engranger à l'occasion donc de cette école, qu'on puisse les préserver durant les autres mois jusqu'au prochain Ramadan.